Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de procéder aujourd'hui à l'Institut supérieur du commerce, ISC, à la remise officielle des bus Academia pour le transport de déplacement des étudiants des universités et instituts supérieurs de la capitale. C'était en présence des membres du gouvernement et de quelques autorités politico-administratives. Madame, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue. La République démocratique du Congo, pays prospère, c'est l'objectif affiché par le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, réitère son engagement en faveur de ses projets de développement et du bien-être de la population. C'est dans ce cadre qu'il a mis en service le premier module de l'usine de la Régie des Eaux au quartier Binzaozone dans la commune de Ngaliema. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 23 février 2023. Reportage sur la presse présidentielle. Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau. L'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binzaozone, dans la commune de Ngaliema, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 m3 d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable, qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngaliema, Mongafula, Kimtambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi des simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a dotés d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1 500 000 abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu, qui donne 35 000 m3 par jour. La Régie des Eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Justement, avec une capacité de production de 110 000 m3 d'eau par jour, cette usine va desservir plusieurs quartiers de Ngaliema, Selemba, Kintambo et de Mongafula, motif de satisfaction pour la population congolaise. L'activité d'aujourd'hui, on est en train d'inaugurer l'usine de l'ozone. Son impact social sera énorme. La population de Kinshasa se plaint du manque d'eau. Bientôt, le problème d'eau dans toutes ces régions-là n'existera plus. Cette inauguration, c'est une des grandes réalisations du chef de l'État. Déjà, avec les essais,
on continue à fonctionner et on va améliorer au fur et à mesure que nous avançons. C'est comme l'usine de l'Embaïmbo. Un sentiment d'immense joie et surtout que je suis parmi les privilégiés qui vont en bénéficier directement parce que j'habite le quartier. En tout cas, pour moi, je jette beaucoup de fleurs au chef de l'État parce qu'il a vraiment réalisé la promesse faite à la population de Kinshasa. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler toute la population kinoise à vraiment saluer cette œuvre grandiose. Le ministre l'a dit, nous devons protéger cette œuvre et en être fiers. Ma réaction, c'est la joie. Aujourd'hui, nous avons de l'eau dans beaucoup de quartiers. Donc pour moi, c'est une joie. Parce que j'ai même mon opératrice de saisie qui me dit que non, maintenant l'eau en abondance dans la salle de bain. Vous voyez que vous étiez habitué à prendre un seau, aller chercher de l'eau très loin dehors et ramener maintenant dans la salle de bain pour vous laver. Dans les quartiers où on doit desservir la population, l'eau c'est 24 heures sur 24. L'essentiel est que les moteurs tournent. En tout cas, bisognon, sokotognon, soyozon, yangalie, maawa, tomoni mai, en tout cas, to fongoli pena, tomoni mai, esobima, naba, robine, to sepeli, en tout cas, mokonzamboka, to sengi na yokaka, merci, nandenge osili, koko, misabiso, naba pasi ya mayo, esili biso, en tout cas, to sepeli makasi. To umelipe vraiment naba pasi ya mai. Ya mikolo ebele romona bozangi mai boko mikende ko luka na ba source en tout cas mikolo to moni vraiment ya solo mai penza yeye. Félix Antoine Tshisekedi a également rendu les derniers hommages ce jeudi à Bernadette Kadima Ngaula Tshisekedi, décédée depuis le 15 février dernier au centre hospitalier Médecins de Nuit. Bernadette Kadima était l'épouse de son frère aîné Étienne Tshisekedi Wa Tshisekedi. Jean-Pierre René Lobo pour le reportage. Bernadette Kadima Ngaula Tshisekedi fut une femme exceptionnelle, bienveillante et généreuse à qui le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu les derniers hommages au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire ce jeudi 23 février 2023. Le couple présidentiel s'est recueilli devant la dépouille de la défunte sous une émotion totale. Après le dépôt de la couronne des fleurs, le chef de l'État, accompagné de la très distinguée première dame, a partagé ses moments des dures épreuves avec toute sa famille biologique. On a noté à ses obsèques la présence du président de la Chambre basse du Parlement, du directeur de cabinet du président de la République, ainsi que quelques membres du gouvernement. Décédé inopinément à 58 ans des suites des malaises le 15 février dernier, Bernadette Kadima Ngaula Tshisekedi laisse un veuf et 5 enfants. La dépouille de l'illustre disparu a été conduite pour l'inhumation à sa dernière demeure au cimetière du chemin de paradis dans la commune de Mongafula. Également dans l'actualité, un incendie s'est déclaré à Bounia dans la province de l'Ituri. Une station de service a pris feu à la suite d'un court-circuit. Bilan provisoire, des dégâts matériels importants et 5 personnes brûlées. La rédaction française a pu joindre un confrère sur place. Junior Selemani répond depuis Bounia aux questions de Joseph de Oscar Malkaï. Il y a effectivement un incendie qui s'est déclaré ce matin à 7h30 heure locale. Un incendie d'une station service située à l'entrée de la ville de Bounia. Selon les premières informations recueillies par la police nationale congolaise, il y a des dégâts énormes où on déplore 5 blessés graves, dont 3 blessés. Il y a un véhicule citerne plein de carburant parti à fumer, une voiture et divers biens. De valeur, voilà Oscar Mann. Est-ce que la ville de Bounia dispose d'un camion anti-incendie pour parer à toute éventualité? Avant de répondre à votre préoccupation, Oscar Mann, il faut dire qu'un court-circuit du véhicule des camions citernes qui est à la base de cet incendie qui s'est déclaré, c'est toujours la police nationale congolaise. Pour répondre à votre préoccupation, la ville de Bounia ne dispose pas d'un véhicule anti-incendie.
à l'instar de la MONUSCO qui dispose de ce qui est l'antincendie au niveau de l'aéroport de Lyon. Est-ce que le fait a été maîtrisé? Oui, jusqu'à présent, la situation est déjà maîtrisée. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital Salama pour recevoir des soins appropriés. Et la police a dû tirer des tirs à balles réelles pour essayer de maîtriser la foule qui venait tantôt pour piller le bien. Mais pour l'instant, la ville est calme. Merci, Junior Selemani. Je rappelle que je vous interrogeais depuis Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Merci, Oscar Mal. Un autre incendie vient de frapper la ville de Bukavu, dans sa commune d'Ibanda, au quartier Nielukeba. Au moins 80 familles restent sans abri après ce drame. L'origine reste inconnue. Le bilan provisoire fait état de plus de 30 maisons calcinées. Les faits dans ce reportage. 21 maisons complètement calcinées et des dégâts matériels importants, tel est le bilan d'un incendie survenu le matin de ce jeudi 23 février au quartier Nyalukemba aux alentours du cimetière des Roses dans la commune à Dibanda. Le chef de quartier Nyalukemba de Okura Sabati a fait savoir que plus de 90 ménages ont été touchés par ces sinistres et restent sans abri. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été brûlé aux mains pendant qu'il sauvait un enfant des lignes des maisons en feu, ajoute le chef de quartier Nyalukemba. Des sources concordantes indiquent que l'incendie a été causé par un court-circuit et que les constructions anarchiques et bien sûr la promiscuité des maisons ont accéléré la propagation du feu. Il y a certaines sources qui parlent d'électricité et d'autres qui parlent du braise. À l'urbanisme, de surveiller chaque fois les constructions anarchiques, puisque sans chemin, on ne peut pas savoir aller limiter les dégâts ou sauver de quoi qu'il reste. Quelques familles ont réussi à sauver quelques biens, mais la majorité a tout perdu. Ce 25 février, Kinshasa va accueillir la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En prélude de ces assises, le Premier ministre Jean-Michel Samalkonde a ouvert jeudi les travaux du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale au fleuve Congo Hôtel. Le point avec Patty Tonouan. A ouvert ses assises, la CIAC en tant que communauté ne doit pas rester indifférente face à l'agression d'un État membre. Sa présence à ce conseil ordinaire des ministres témoigne de l'importance que son gouvernement accorde à l'intégration régionale et aux questions liées à la paix et à la sécurité, a renchéri Jean-Michel Samalukonde Kyenge. En effet, ma présence à ce segment du conseil des ministres de la CIAC témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde, aussi bien aux questions de l'intégration régionale en tant qu'outil indispensable de croissance et de stabilité politique entre les États, qu'à la paix et la sécurité au niveau de la sous-région. En effet, une année durant, le gouvernement congolais que j'ai l'honneur de diriger, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophonie, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEAC. C'est donc avec un grand intérêt que je devais suivre non seulement la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les réunions de la CEAC, au cours desquelles des recommandations pertinentes ont été formulées au bénéfice des populations afro-centraliennes. Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale, est revenu sur les différents points à aborder lors de cette réunion, parmi lesquels l'examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. L'examen minutieux de toutes ces matières nous permettra de formuler les pertinentes recommandations à la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CAC. Outre cette question sécuritaire, cette rencontre ordinaire des ministres de la communauté économique des États d'Afrique centrale va également traiter d'autres questions importantes de la région.
Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, a effectué ce matin la ronde dans quelques centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs situés dans les écoles de la commune de Matete, encore ouverts au public pour les requérants ayant obtenu des jetons. Le numéro 1 de la centrale électorale a pu constater qu'il n'y a plus de requérants en quête de carte d'électeur. Faute de demandeurs, l'activité du personnel commis à la tâche se résume au ramassage des divers plis. Le président de la CENI a exprimé sa profonde satisfaction du fait que le plus important pour la Commission électorale nationale indépendante est de ne laisser hors de cette opération aucun Congolais remplissant les conditions requises. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Et puis sachez que la Commission électorale nationale indépendante annonce que l'opération de la révision du fichier électoral lancée depuis le 25 janvier dernier dans 9 provinces et les 3 pays pilotes de la deuxième ère opérationnelle qui devait prendre fin hier, telle que prévue dans le calendrier électoral, a été prolongée de 25 jours au retardataire dont boité les pas. Le territoire de Miabi, dans la province du Kasaï oriental, honoré par la visite du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour sensibiliser les populations sur le processus électoral. On en parle avec Alain Bikaï. Le territoire de Miabi s'est mobilisé massivement pour accueillir son digne fils Augustin Kabouya en mission de sensibilisation sur les enjeux électoraux de l'heure au Kasaï oriental. À l'entrée de son territoire, le cortège du numéro 1 de l'IDPS a été stoppé par une marée humaine. Respectueux de loi, Augustin Kabouya s'est fait accompagner de cette foultitude des personnes pour qu'il aille accomplir son devoir civique. Sous une escorte monstre des habitants de Miabi, le secrétaire général s'est rendu dans le centre situé dans l'école Kabamba-Mukola de Miabi pour se faire enrôler. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, Augustin Kabouya a obtenu sa carte d'électeur. Nous ne pouvons pas prétendre donner une majorité au chef de l'État si nous ne passons pas par la première étape, l'obtention de la carte d'électeur. Peut-être les gens peuvent se poser des questions. Comment lui qui habite Kinshasa est venu faire son enrôlement ici dans son territoire? Et je dois prouver à la face du monde que je suis responsable d'un grand parti politique. Même chez moi, tout le monde est membre de l'IDPS. Ma base ne voulait même pas que je me déplace. Ma base voulait que la CENI vienne vers moi. Moi, j'ai dit non. Je dois être respectueux de la loi du pays qui demande à tout Congolais de se diriger vers le centre d'enrôlement pour obtenir sa carte électorale. Pour lier la parole à l'acte, Augustin Kabouya était devant la base de son parti, à côté du bâtiment administratif de Miabi, pour sensibiliser ses frères et sœurs sur un enrôlement massif. Le premier vice-président de l'International socialiste a appelé au calme et condamné les actes de violence du 7 février dans la cité de Boya suite au conflit coutumier. Autre fait de l'actualité, la 121e réunion du comité exécutif de l'ITIE RDC s'est donc tenue à Kinshasa hier. Ce sont des travaux qui ont été placés sous la présidence du ministre d'État intérimaire en charge du plan. L'adoption du rapport ITIE 2021 était à l'ordre du jour. Peggy Mukuna pour le reportage. Il n'est pas facile en cette saison pluvieuse d'atteindre Kabeya Kamwanga par route à partir de Mbujimayi. Ce tronçon de la RN1, long d'environ 50 km, se trouve dans un état de quasi-impraticabilité. Déterminé à se faire enrôler dans son Kabeya Kamwanga natal, Clotilde Kapinga wa Mulumba a bravé le mauvais état de la route. Preuve d'un grand amour pour le sien, ce qui lui a valu des ovations et de saints d'Eliès tout au long du trajet. Le cortège motorisé s'est immobilisé devant un centre d'inscription de la CENI à Kinankuna. C'est ici que la sœur à feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba s'est fait identifier et enrôler. Je demande à la population d'aller s'enrôler massivement. Si jusque-là il y a encore des personnes dans les familles qui ne se sont pas décidées, ceux qui vont m'entendre puissent aller demander à ceux qui sont restés à la maison d'aller s'enrôler. Plusieurs jeunes de Kabeya Kamwanga formés en bureautique par la fondation Mutoto de Clotilde Kapinga
et recruté par la CENI, participe activement aux opérations préélectorales en cours. Une grande première pour ce territoire où l'outil informatique était plus qu'un luxe. Tout va faire rapport à la section pédagogique. On nous disait que le jeune de Kabea Kamwanga ne faisait que la section pédagogique et qu'il ne savait pas manipuler l'ordinateur. Avec ce handicap, la CENI ne pouvait pas le recruter. Voilà pourquoi nous avons créé ce centre de formation. Dans la foulée, Clotilde Kapinga Wamulumba a échangé avec plusieurs centaines de combattants de l'UDPS rassemblés devant le siège fédéral de Kabea Kamwanga. Occasion pour elle de le remercier pour cette grande mobilisation à son honneur. Kapinga Wamulumba a par la suite visité le système d'adduction d'eau potable qu'elle a offert à ses frères et sœurs, avec plus de 30 bornes fontaines pour approvisionner toute la cité de Kabea Kamwanga en cette denrée indispensable à la vie. Donc là de suivre l'enrôlement de Madame Walumumba dans le Kasaï central. Et puis revenons à la 121e réunion du Conseil exécutif de l'ITRDC qui s'est tenue donc à Kinshasa hier. Ce sont des travaux qui ont été placés sous la présidence du ministre d'État intérimaire en charge du plan. L'adoption du rapport ITIER 2021 était à l'ordre du jour, nous dit Peggy Mukuna dans ce reportage. La 121e réunion du comité exécutif de l'ITRDC s'est tenue sous la présidence du ministre d'État, ministre du Plan ad intérim Crispin Badou. Plusieurs points ont été débattus, notamment celui relatif à l'adoption du rapport pour l'exercice 2021 qui a été soumis à la critique du consultant indépendant KPMG. Après remue ménage, le rapport a été adopté et sera publié dans les prochaines heures sur le site de l'ITIER RDC. C'est vrai que la RDC avait sollicité une prorogation de la date échéance pour la publication de ce rapport qui était du 31 décembre 2022. On avait demandé de 3 mois, mais ça n'a pas rencontré apparemment la position du comité de mise en œuvre. C'est pour ça qu'avec les pays amis, nous avions sollicité que cette question soit remise à la table du conseil d'administration. Et le conseil se tiendra le 27 de ce mois à Buenos Aires. Comme le comité exécutif vient d'adopter le rapport, qui était même la cause de cette peur même, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mais pour information, nous nous préparons déjà à la grande messe de l'ITE qui va se tenir au Sénégal le 13 et le 14. Vous pouvez voir sur notre site, les enregistrements sont ouverts. Et pour votre information, notre président est invité d'honneur là-bas. Surtout que nous sommes un pays qui fait bouger le monde sur des questions de transition énergétique. Ainsi, la RDC échappe à une suspension, une bonne note validée par les comités exécutifs. La RDC vient de réaliser 66,52% sur les assurances de la sécurité aérienne grâce aux efforts consentis par l'autorité de l'aviation civile. C'est le résultat du dernier audit international organisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale du 2 au 10 février dernier. Avec l'expertise des inspecteurs de l'aviation, le ministre intérimaire de Transvecom s'est entretenu à ce sujet avec l'organe technique, nous rapporte Drodé Panda. Mission d'audit sous la supervision de la sécurité aérienne, USOAP. Une méthode de surveillance continue a été organisée en République démocratique du Congo en septembre 2022. Elle consistait d'abord à auditer 6 domaines sur les totales de 8 et évaluer la capacité de la RDC dans la mise en œuvre des normes et pratiques internationales en matière de l'aviation civile et assurer efficacement la sûreté aérienne. Les deux autres domaines viennent d'être audités et complétés en ce mois de février courant par les inspecteurs de l'OACI. Motif de satisfaction pour le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, AAC, Jean Tchumbapunga, qui en son temps avait souhaité l'audit par l'OACI en toute urgence sur les deux derniers domaines, à savoir le service de navigation aérienne et les enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile examinés du 2 au 10 février 2023.
Des énormes efforts ont été consentis par l'autorité de l'aviation civile dans ces processus de la sortie pour arracher les taux des mises en conformité, avec une forte progression pour la RDC qui a dépassé largement le seuil jusqu'à 66,52% par rapport aux autres États africains. Ces résultats pourraient permettre à la RDC de déclencher les processus de la sortie de la liste noire de l'Union européenne depuis une dizaine de décennies. Le ministre AI de Transport et Voies de Communication, Marc Ekila, a tenu une réunion d'évaluation à propos pour clôturer ce processus des audits internationaux avec les acteurs du secteur aérien et l'organe technique de l'EAC en vue d'encourager et exhorter toutes les parties prenantes à travailler en synergie sur base des principes de l'OACI. Ce résultat constitue une occasion pour la République démocratique du Congo à redoubler d'efforts afin que la prochaine évaluation de l'OACI qu'elle puisse atteindre et voire dépasser l'objectif cible de 75% exigé pour la sécurité aérienne. Un mot de religion pour terminer. Les évêques de l'église du Christ au Congo sont en session élective. Ces travaux prendront fin ce dimanche. À cette occasion, le numéro 1 de cette église a invité les participants à prier pour la paix en cette période où l'est du pays est en proie de guerre. Anastasie Doum. Les travaux de la 60e session ordinaire du comité exécutif national électif de l'ECC se poursuivent normalement. Au troisième jour des travaux, le révérend André Bokundoa, président national de l'ECC, a centré son message sur l'unité, l'amour et le pardon pour une communauté forte, l'Église comme famille des dieux. Et comprend trois sections, à savoir la vie de l'Église, la situation du pays, les suggestions. Vous savez que l'Église du Christ au Congo est une Église en mission. Les protestants, nous aimons travailler, évangéliser, prêcher. Et aujourd'hui, les réalités de notre pays exigent qu'il y ait, dans la proclamation de l'Évangile, les actions sociales qui y accompagnent, comme il se doit, et que nous nous sentions tous créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, comme étant des humains. La discrimination et la ségrégation ne peuvent nullement contribuer à la formation et à la construction d'une communauté, a-t-il souligné. Les représentants légaux de l'ECC réfléchissent sur les grandes questions relatives à l'avenir de l'Église et de la RDC. Le numéro 1 de l'ECC a par la suite invité les évêques représentant les communautés à prier pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Fin de ce journal réalisé par Moustapha Obiok Papingina Mao. Merci de votre fidélité. Excellent bon après-midi chez vous. À demain. Est-ce que la diaspora aussi pourra voter ?